Un semblant de normalité règne sur ce marché. Chaque jour, fruits et légumes et morceaux de viande parviennent à être vendus. Pourtant, nous sommes au cœur d'un des plus grands sites de réfugiés du Cameroun. Ici, à Gado-Batséré, 9100 Centrafricains vivent sous une chaleur écrasante, à quelques kilomètres de la frontière. Abdoulaye est arrivé il y a 4 mois maintenant. Il a aménagé ce petit espace dans le marché pour y vendre du couscous. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne veux pas devenir un voleur. Alors j'ai décidé d'installer ce petit restaurant pour gagner un peu ma vie. Ici, on parle Fulfulde. Il s'agit de la langue parlée par les Peuls. Ces musulmans fuient leur pays pour échapper aux attaques des anti-Balaka. Cette milice, à majorité chrétienne, vise les musulmans en représailles des agressions faites par la Séléka qui, elle, visait les chrétiens. Arafat, cette fille de 13 ans, a perdu sa mère et son grand-père dans ce conflit. Les anti-Balaka sont venus chez nous. Ils ne veulent pas de ceux qui pratiquent la religion musulmane. C'est pour ça qu'ils nous ont chassés. D'abord, nous nous sommes réfugiés à l'aéroport. Après, l'Organisation internationale pour l'émigration est venue pour nous amener et nous transférer à Garoua-Boulaye, à quelques kilomètres d'ici, avant d'arriver dans ce site. Ses enfants ont également vu l'horreur. Alors, pour tenter de se reconstruire, des espaces mis en place par l'UNICEF et l'association Aseja leur sont réservés. Ici, ils se retrouvent pour chanter, jouer ou faire du coloriage. À travers ces jeux qui peuvent sauver, ils vous disent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, qui n'était pas toujours très beau, c'était vraiment atroce. Et puis, c'est par là qu'on leur dit « Ok ». Ça va aller, il faut pouvoir surmonter tout ça, c'est une épreuve que vous avez vécue. Au-delà d'une assistance psychosociale, un autre programme va venir renforcer l'aide aux enfants centrafricains. Sa mise en œuvre est prévue dans les semaines à venir. Il s'agit pour nous, avec à la tête de tous les humanitaires, le ministère de l'éducation de base, de mettre en place des structures temporaires qui vont accueillir les enfants et à l'intérieur de ces structures, nous allons faire la mise à niveau. L'objectif de cette mise à niveau, c'est d'intégrer les enfants à la rentrée scolaire prochaine en septembre, intégrer les enfants dont les résultats seront positifs à l'école formelle de Gado. 2400 enfants sont concernés par ce programme dans ce site et parmi eux, il y a Arafat. Le problème de l'école nous intéresse vraiment. Car nous étions à l'école quand les affrontements ont commencé. Donc si aujourd'hui on nous parle de retourner à l'école, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. 60 enseignants devraient être mis à disposition par les autorités camerounaises. Des personnes volontaires qui seront en charge d'assurer l'encadrement de ces enfants. Ce sont des enseignants qui ont une formation, qui ont été régulièrement formés dans les écoles de formation de notre pays, que nous allons identifier. Mais toujours est-il que pour des besoins spécifiques, il faudrait également prendre des dispositions compte tenu du contexte qui est assez spécifique, de renforcer les capacités de ce personnel enseignant afin de pouvoir donc leur permettre de démarrer effectivement cette activité. Au total, ce sont plus de 7000 enfants qui devraient bénéficier de ce programme. Un retour vers le chemin de l'école qui, là encore, pourrait ressembler à un pas vers le retour à la normalité.